Il est vraiment né le divin enfant. Comme à Bethléem il y a 2000 ans, la naissance de Jésus-Christ le Nazaréen a été célébrée dans la nuit de ce 24 décembre 2017 à Waku, la Nouvelle-Nazareth. Venus de toutes les contrées de la terre, ils étaient nombreux les Dabovi qui, à l'instar des rois mages, ont massivement effectué le déplacement pour fêter avec le nouveau-né. Un événement plein de sens pour les autorités de la très sainte Église de Jésus-Christ. La Noël de cette année, tous les Dabovi savent que ce Jésus qui nous a promis, nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, il est déjà venu sur la terre pour les Dabovi. Vous allez l'entendre encore tout à l'heure, en chair et en os. Il viendra enseigner son peuple et lui donner les grâces de la nativité pour plonger le peuple de Dabovi qui sont ses héritiers dans la nouvelle année qui s'annonce 2018, qui sera une année de grâce, particulièrement pour tous les Dabovi et tous les hommes du monde entier. Depuis 2015 à Waku, la Nouvelle-Nazareth, ces festivités de Noël ont été marquées par la présence effective de Jésus-Christ le Sauveur. Le nouveau-né que célèbre l'humanité entière s'est révélé à travers sa mission pérenne, celle de montrer le chemin qui mène à son Père. Le monde ne me connaît pas, mais moi je connais le monde. Je sais comment il a été créé. Je suis là aujourd'hui en chair et en os. Je peux m'exprimer à travers le temple de Dabo que nous appelons tous parfait. Je peux m'adresser aux Dabovi et au monde entier. Je ne suis pas là pour chercher à convaincre ou à évangéliser qui que ce soit. Mais je suis là pour vous dire, voici le chemin à suivre. C'est Dabo. Après avoir entretenu ses enfants sur certains faits sociaux et spirituels, à savoir la raison des 9 mois de grossesse chez une femme, la signification des 33 ans d'âge de notre Sauveur Jésus-Christ avant sa mort comparé aux 30 ans de la mission de Gbanamin, ainsi que les 16 ans d'âge d'arrivée de parfait à Gbanamin, Dagbo, Dieu Esprit-Saint, Père de Fofo Jésus-Christ, est revenu sur la situation politique du Bénin ainsi que les perspectives du nouvel an. Le président Patrice Talon, c'est un être humain, il ne peut pas détester son peuple. Il ne peut pas haïr son peuple. Pour ce que je sais, c'est un chef d'État qui respecte ses concitoyens. C'est vrai que la crise économique sévit et tout le monde se plaint. Mais la crise économique, elle est partout. La crise économique est partout. La même crise économique existait au temps de Yahya Boni, au temps des autres présidents. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a des trous qui sont bouchés, il n'y a plus de gaspillage. On a l'impression que la crise économique s'est amplifiée. Ce n'est pas vrai. En tout cas, selon moi, à mon humble avis, ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses vont se passer. Mais ce que je sais, ce que je vois venir, c'est que
ce sera, comment dire, une bonne fin. Ça va bien finir quand même. Ça va bien finir. Vous savez que je ne peux pas choisir Patrice Talon pour le malheur du Bénin. Non. Ayez confiance et sachez qu'avec lui, il y a espoir. Et après lui, il y aura encore espoir. Comblé de grâce et fier d'avoir passé de moments inoubliables avec Jésus-Christ le Nazaréen, les Dagbovis s'enthousiasment. Je viens tous les ans, mais cette année, ça a marqué un tampon spécial. Parce que ça faisait les 9 ans de notre aventure de Banamé. La naissance actuelle du cru, je crois que c'est un renouveau. Et je crois que c'est la renaissance. L'impression que tous les Dagbovis ont eue, c'est que nous souhaitons que les fêtes dorénavant soient aussi belles, sinon plus belles. Des moments de réjouissance, de prière et de causerie avec son éternité Dagbo du Esprit-Saint ont meublé ces festivités marquant la 9e édition de la célébration de la Nativité du Christ au sein de la Très Sainte Église de Jésus-Christ. Démarrée dans la soirée du jeudi 21 décembre, c'est au petit matin du dimanche 24 décembre que les 10 festivités se sont achevées avec la sortie de 80 enfants baptisés.